Nous continuons notre étude, notre traversée de l'Évangile de Luc. Nous en sommes seulement au chapitre 8. Mais c'est important de s'arrêter sur certains moments très, très forts des Évangiles qui parfois sont très, très simples. Une pensée courte, brève et précise aujourd'hui, mais qui touche vraiment mon cœur. Donc, Jésus est revenu, il a traversé le lac Tibériade, il est revenu. Et là, à son retour en Galilée, il est accueilli. Il y a un homme, un chef de la synagogue qui s'appelle Jaïrus, qui vient vers Jésus et lui dit « Viens au secours, ma fille, elle est mourante, viens chez moi », tout ça. Et alors que Jésus marche, si vous avez déjà remarqué, si vous connaissez un petit peu Capernaum ou les vestiges archéologiques de Capernaum, on voit que les rues à l'époque étaient murées. Donc Jésus, il y avait une grande voie centrale qui était vraiment murée des deux côtés. C'est là aussi où Jésus, sur cette voie, où Jésus a rencontré face à face le centurion hein, qui lui a demandé de venir chez lui à la maison. Et donc Jésus revient en Galilée, il est là, est-il vraiment dans Capernaum? Mais il est dans une ville et il arrive, il est pressé par la foule, il marche et les gens sont tout autour de lui. Et il y a une femme, vous connaissez l'histoire, qui est atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle pouvait auprès des médecins. Elle s'approcha de Jésus, toucha la frange de son vêtement. Aussitôt son hémorragie cessa. « Qui m'a touché? » demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit « Voyons maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Et là, il y a vraiment un mystère à découvrir avec le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est que comment une force sortie de Jésus pour elle et pourquoi pas pour les autres? Est-ce que Jésus l'aimait elle plus que les autres? Non. Pourquoi les gens pressaient Jésus? Ils avaient tous certainement besoin de quelque chose. Ils avaient peut-être tous des requêtes. Mais il y avait quelque chose dans cette femme qui fit que Jésus, Dieu entendit son cœur et une force sortie de Jésus et Jésus l'a guérie. Ça nous interpelle, ça m'interpelle moi le premier. Le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur ne regarde même pas aux prières qui sortent de notre bouche. Jésus est pressé. Peut-être que certaines personnes vont presser Jésus. Peut-être que vous pressez Jésus. Mais peu importe comment vous vous approchez de lui, peu importe les prières, les hauts secours qui peuvent sortir de notre bouche, Jésus regarde au motif de notre cœur. Est-ce que le cœur de cette femme était plus noble, meilleur que les autres? Non, parce que tous sont péchés. Il n'y a pas personne de meilleur que les autres. On comprend toutes ces choses-là. Mais il y avait une disposition de cœur chez cette femme qui a touché le cœur de Dieu, et Dieu est miséricordieux, et Dieu s'est laissé toucher, et Dieu a guéri cette femme. Et moi, ça me touche que la force est sortie de Christ pour elle, et pas pour d'autres. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il y a énormément de voyeurisme. On dit que sur Internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, les gens regardent des vidéos qui durent moins d'une minute. Parce qu'il faut que ça aille vite, on veut voir très très vite, mais on ne veut pas réellement savoir. Et c'est une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous voulez juste voir des choses? Je pense, mon opinion personnelle, je pense qu'une grande partie de la foule était là juste pour voir, presser Jésus, pour voir ce qu'il allait faire pour la fille de Jaïrus. Il marchait avec lui, il se pressait, il voulait être dans les premiers rangs, il voulait être aux meilleures loges. Je me presse près de Jésus, je vais chez Jaïrus, je veux voir sa fille guérie, je veux voir ce qui va se passer, je vais être là, je vais être tout près, je ne veux pas être derrière, je veux vraiment être aux premières loges. Et on vit dans un monde de voyeurisme. Je prends les transports tous les jours sur Paris et je regarde les gens autour de moi, mon cœur est en prière souvent. Je vois, il y a tellement de voyages, je regarde parfois les gens assis à côté de moi et je les vois défiler avec leurs doigts comme ça, leur Instagram, leur Snapchat, leur Facebook, tout ce que vous pouvez imaginer. Les gens, et ça passe très très vite. Les gens veulent juste voir. Cette femme était désespérée d'être secourue. Et c'est là la différence qui est très importante pour moi. Il y a une différence entre voir et vraiment savoir. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quel est son plan pour ma vie? Quelle est la pensée de Dieu pour ce que je vis? Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à ne pas vous laisser influencer par ce courant d'accès. Nous sommes dans une génération où l'accès à l'information est devenu un fleuve constant, sans arrêt. Une course à l'information, c'est incroyable. Gardons un esprit posé, gardons un esprit
qui veut plus que juste voir, mais qui veut connaître, qui veut toucher Christ, qui veut vraiment être profondément secouru par Jésus. Je ne veux pas être quelqu'un qui veut seulement voir rapidement ce qui se passe. Je veux savoir, mais surtout savoir le cœur de Dieu. Pas aller chercher les choses d'en haut. Et je veux pas juste être quelqu'un qui passe d'un message sur Internet à un autre, une église à un autre, un verset ou à un autre. Il faut que ce soit rapide, rapide, rapide. Ne soyons pas ainsi. Pressons Jésus, oui, approchons-nous de lui, mais lui regarde dans notre cœur. Quelles sont les intentions de notre cœur? Et si vous êtes un chrétien mature en Jésus depuis plusieurs années, je rajouterais même, nous sommes appelés à vivre pour la gloire de Dieu. Donc oui, on veut voir des choses, on veut voir Dieu faire des choses, mais pour sa gloire. Alors c'est très touchant, la puissance de Jésus sortie pour elle, pas pour les autres. Tous le pressaient, mais elle le pressait avec une disposition de cœur différente. Beaucoup de voyeurisme aujourd'hui. Faisons attention. Dieu nous aime et Dieu peut faire des belles choses pour nous. Mais gardons un cœur qui a faim, qui a soif de voir sa gloire. Merci.